Une meilleure utilisation des réseaux sociaux, c'est ce à quoi le ministère de la Communication veut arriver. Pour ce faire, une campagne a été lancée en vue de conscientiser les utilisateurs toujours plus nombreux. Une autre campagne de sensibilisation a été lancée. Nouvel outil anticorruption, la plateforme Spacia a été présentée aux leaders locaux d'Adjamé. Les détails dans cette édition. Et dans l'actualité également, les maires ivoiriens délaissent de plus en plus la circonscription où ils ont été élus pour vivre dans une autre commune. Phénomène décrié par les populations. Voici pour le sommaire. Bienvenue dans ce 7 minutes. Alliés dans plusieurs communes du district d'Abidjan, les représentants du PPACI et du PDCI-RDA sont allés en rang dispersé à Yopougon. Le parti de Laurent Gbagbo a dévoilé les raisons de cette déconvenue dans la conquête de la plus grande et la plus peuplée des communes de Côte d'Ivoire. Dans le cadre des discussions, nos partis a donc demandé le soutien du PDCI à Yopougon. Ce que le candidat du PDCI a refusé, il a estimé qu'il a de fortes chances de remporter les élections municipales à Yopougon et que s'il doit avoir alliance, la tête de liste doit être PDCI, à savoir le candidat du PDCI. Nous avons estimé que c'était trop demandé. Officiellement investi par le parti, Michel Gbagbo, tête de liste au nom d'Espoir Développement, a déroulé son programme communal de développement pour Yopougon. De faire travailler à l'employabilité d'un jeune, à la mobilisation de la femme. Avec une population de 1 571 065 habitants en 2021, Yopougon est la plus grande commune, non seulement de la capitale économique ivoirienne, mais aussi du pays, selon le recensement général de la population et de l'habitat 2021. Hashtag en ligne, tous responsables. C'est la nouvelle initiative du ministre de la Communication, des médias et de l'économie numérique pour la sensibilisation à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Cette campagne de sensibilisation a été lancée le 16 août. Comme plan, notre stratégie est un appel au cœur et aux esprits de chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à prendre part à cette ode à la responsabilité, à l'innovation et à l'unité. C'est pourquoi nous sommes convaincus que cette stratégie en 5 phases aura un impact significatif sur la manière dont les réseaux sociaux sont perçus et utilisés. Pendant 6 mois, la campagne sera l'objet de diverses actions à travers le pays, notamment des ateliers dans des écoles, mais aussi des bureaux publics. Ainsi, les jeunes et adultes seront sensibilisés sur les risques liés à une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ensuite, on aura l'engagement communautaire. Nous développerons des partenariats avec les associations et autres parties prenantes pour étendre notre portée et créer un mouvement collectif en faveur de l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Le lancement de la campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux marque une étape importante dans la promotion de bonnes pratiques en ligne. Il s'agit d'un effort concerté pour éduquer et responsabiliser les utilisateurs avec l'espoir de créer une communauté en ligne plus éthique et respectueuse. Leaders religieux, communautaires, fédérations d'associations de commerçants, coopératives agricoles ou encore syndicats des transporteurs, tous étaient réunis le jeudi 15 août à la mairie d'Adjamé. Objectif, être sensibilisés sur la plateforme de lutte anti-corruption Spacia. Nous avons commencé aujourd'hui par Adjamé, qui est la première commune. Nous serons dans 2 jours dans la commune de Trècheville et nous terminerons par la commune de Bengerville. D'ici quelques semaines. Donc, c'est vraiment dans un objectif de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et d'amener les populations à prendre conscience de la nécessité de lutter contre ce fléau pour le bien de tous. À travers Spacia, on nous a indiqué un peu d'où venait la corruption, comment faire pour combattre ce fléau et puis, bon... Oui, trouver des solutions aussi. Il faudrait que chacun prenne un peu son bâton de pèlerin pour pouvoir combattre cette fléau. Cette cérémonie, ça nous a permis vraiment d'avoir beaucoup de sensibilisation.
Ces activités de proximité menées par la cellule Spacia s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de campagne nationale de vulgarisation de la plateforme auprès des groupes sociaux. Ainsi donc, pour sa première phase, cette campagne nationale se déroulera dans le district d'Abidjan. Ils sont maires d'une commune et pourtant en habitent une autre. Rares sont ces élus qui vivent auprès de leurs administrés. Fait banal, diront certains, mais preuve qu'ils ne s'intéressent pas vraiment au quotidien de leurs administrés pour d'autres. Face donc à cette situation, les Ivoiriens se sont prononcés. Un maire qui n'habite pas sa commune, je pense qu'il ne partage pas les mêmes problèmes que sa commune. Donc, il ne peut pas savoir juste les besoins de sa commune. C'est celui qui vit les réalités, qui peut donner une orientation là pour trouver une solution. Alors, un maire qui n'habite pas une commune, je ne pense pas que ce soit vraiment l'homme idéal. Parce que c'est vrai qu'il aura ses conseillers qui habitent la commune, mais les faits rapportés et les faits qu'on vit, ce n'est pas la même réalité. Je trouve que ce n'est pas normal. Puisque nous, on les vote. Après avoir fini de les voter, ils sont bien placés. Ils vont s'asseoir dans les quartiers chics, les quartiers intéressants. Et nous, on se retrouve toujours dans les bas quartiers. Même souvent, on a des problèmes. Même on contacte la mairie. Il n'y a personne pour nous aider. Vraiment, je ne trouve, trouve pas cela juste. Pour rappel, le mandat du maire élu est de 5 ans renouvelable. Il est à la fois un agent de l'État et un agent de la commune et ses missions se distinguent selon les différents statuts. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7 Info et sur 7info.ci.